On est bien dans notre salon, hein? On est bien, hein? Salut Bruno, ça sur va votre pastille tournante. Oui, ben oui, j'ai dit que ça tournait, vous ne croyez pas, c'est vrai que ça tourne, Bruno. J'aime mieux que ça ne tourne pas à 8h du matin. OK, on ne pourra pas faire ça ce matin. Écoute, j'ai envie de te lancer en commençant sur le retour des groupes. On voit ça ces temps-ci, The Police est revenu. Genesis en vient du côté de Montréal. Van Halen a annoncé ça. T'en penses quoi? Parce que ce sont des groupes que t'aimes, j'imagine. Oui, c'est des groupes que j'aime, puis j'irai pas voir Genesis, qui était un de mes premiers groupes fétiches dans les années 70. Non, parce que je suis allé voir The Police. Oui, oui. Puis j'ai trouvé ça très bon, mais à 250$ du billet, je trouvais que j'aurais aimé ça avoir un peu plus de complicité entre les gosses à la scène. Ah, ça, il y en avait aucun. J'ai aimé ça, mais tu sais, à quelque part, je me rendais compte que j'allais voir une partie de mes souvenirs, mais que j'assistais à un événement qui n'était pas vraiment ça. C'est-tu parce que je fais ce métier-là aussi, mais il y a quelque chose qui me manquait, que je me disais, bon... plus beau que ce que tu voyais peut-être aussi. Ouais, parce que, simplement parce que je trouvais pas que ça sentait la vraie réunion. Peut-être que Genesis, ça ne sera pas comme ça. Mais moi, j'étais un fan fini de Genesis de l'étape de Peter Gabriel. Oui. Donc, bon. Comme il n'est pas là. Ben... Mais ça n'empêche rien que j'ai beaucoup aimé Genesis dans la suite des choses après aussi. Mais je n'irai pas au stade les voir. Ça ne sera pas là. Évidemment, le lien se fait parce que sur cet album-là que tu nous présentes, Bruno Pelletier, le gros orchestre, tu reprends, entre autres, Roxane, propose d'écouter un extrait en commençant. Écoute ça. Those days are over. You don't have to sell your body through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. Donc, Bruno Pelletier en version jazz, comment on en vient à faire un spectacle? Parce qu'un spectacle aussi, évidemment, un disque aussi épuré que ça, après les grosses aventures que tu as connues, après Notre-Dame de Paris, après Dracula, c'est-tu parce qu'on est tanné, on est blasé, tout ça? On n'est pas tanné, mais on a besoin. Je pense que c'est juste ça. On a besoin de retourner sur une formule plus légère, quelque chose de plus facile à transporter, qui 10 minutes, un test de son, tout est fait. On peut mettre du temps pour écrire des chansons, pour travailler avec l'équipe. C'est complètement une autre dynamique. Mais au départ, puis ça je l'ai dit souvent dernièrement, c'est que ça devait être juste quelques spectacles, faire une petite tournée pour s'amuser. Puis la tournée a déboulé jusqu'à un album, puis là je suis assis avec vous autres à faire de la promo, puis tout ça, c'est à quelque part... Mais es-tu content de ça? Je suis très content. J'ai dit à mon gérant il y a une couple de semaines, j'ai dit c'est un beau problème, parce que c'était pas ça au départ que ça devait être. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis oui, c'est voulu que ce soit beaucoup plus épuré, fait dans une légèreté, quelque chose qui est, je te dirais, les musiciens sont très... C'est sérieux, là. C'est des très bons musiciens. Oui, ils sont très sérieux là-dedans. Mais on se prend pas au sérieux là-dedans. Il y a une espèce de... je sais pas, il y a une direction qui est une fluidité dans le projet depuis le départ. Je force pas avec cette affaire-là, ça va tout seul, on se laisse aller, puis c'est pour ça que j'ai du fun à le faire. C'est vrai, c'est un peu crooner pareil, hein? Ouais, c'est juste, moi jusque dans le costard. Oui, dans le rock et dans le jazz, ça te ressemble quand même. Là. Écoute, moi j'ai du fun et je mets le costume parce que c'est j'ai ça hier aux journalistes. Ça va avec, hein? C'est comme le costume de Dracula ou le costume de Johnny Rockford ou de... Je mets mon costume, c'est comme un rituel avant le show, parce que moi, je suis un peu veston-cravate, jeans basket, t-shirt. Bon, chemise maintenant un peu plus, mais vraiment, je mets la cravate, j'ai appris à faire des nœuds il n'y a pas longtemps. Je pouvais me montrer, je suis encore en dessous. Ah, oui, moi, ça a pris jusqu'à 45 ans. Tu m'encourages. mais c'est vraiment, il y a quelque chose, je parle de légèreté, il y a quelque chose qui va tout seul avec ce projet-là, que je trouve le fun, puis c'est pour ça que je me laisse glisser dans toute l'aventure, puis dans tout ce que ça veut dire. On le dit là-dessus, il y a des reprises, il y a des chansons aussi originales. Je veux qu'on fasse entendre mon coup de cœur, si tu me le permets. Go. C'est la chanson des vieux amants, évidemment, que les gens connaissent, de Jacques Brel. Extrait, s'il vous plaît. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Hey, c'est-tu beau ça? C'est très senti en plus. Ben, je suis content que vous présentiez une partie du clip. C'est mon ami Yves Soutière, qu'on a essayé. Oui, le comédien qui a fait la réalisation avec Richard Bellumeur qui sont.
Richard, qui était un le chorégraphe sur Dracula. C'est des amis à moi, puis on garde notre petit monde entre nous autres, puis on fait des affaires ensemble, fait que c'est bien, bien le fun. C'est une chanson qui a une symbolique particulière pour toi, Bruno, celle-là? C'est ma chanson préférée de Brel. Je l'avais déjà fait avec l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre symphonique, donc une centaine de musiciens. Ouais. Et là, on revient à ultra épuré, piano-voix. Et ça laisse toute la place au texte. Et à la voix aussi. Et à la voix, et de, dans une dimension aussi. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été catégorisé, on va dire, chanteur à voix. Mm-hmm, ça me fait bien rire, d'ailleurs, on en parle souvent, Sylvain Cossette et moi, des chanteurs à voix. Mais vous autres, vous êtes deux chanteurs à voix. Non, mais les chanteurs ont toutes une voix. c'est un peu drôle, comme, mais tu sais, bon, c'est une industrie qui fonctionne avec les cases, il faut qu'on les mette à quelque part. Mais tu sors de plus en plus des cases, hein? Ben, encore une fois, la preuve. J'essaie beaucoup de traverser ces espèces de frontières qu'on met aux artistes, d'aller travailler dans d'autres genres, dans d'autres styles, avec des gens qu'on n'attend pas, tout ça. Ça m'aide, je pense, à évoluer dans ce métier-là, puis à me sentir moins... Je pense que je me trouverais plate à Londres si je faisais tout le temps la même carcan. Chose. Ouais. Quand un album sort comme ça, j'aime beaucoup faire entendre le plus d'extraits possible. J'aimerais ça connaître ton coup de cœur à toi sur l'album. Moi, c'est Nature Boy, qui a été popularisé par Nat King Cole. Ouais. Mais c'est une version un petit peu empruntée au chanteur Kurt Elling, un chanteur de Chicago, que j'ai entendu sa version. Et de là, nous, on est partis pour faire quelque chose à notre façon, le gros orchestre. On fait ça beaucoup dans le show aussi. J'ai une chanson de Peter Gabriel que Diana Reeves avait repris. Et puis j'ai trippé là-dessus. Puis avec le gros orchestre, on a refait une version de tout ça. Ben moi, je te propose Nature Boy, un petit bout. On va l'écouter. C'est bon, ça? Alors voici Nature Boy sur la plage numéro 13. A very strange enchanted boy. They say he wanted very far, very far. Overland and sea. A little shy. Satellite, but very wise, was he? Oh, and then one day, one magic day came our way, and while we spoke of many things. Ça met le sourire, hein? Ah, ouais, c'est le fun. C'est le fun. C'est de la musique qui. Je trouve que c'est de la musique de. Tu sais, tu mets ça samedi matin, puis ça part de fin de semaine. Tu t'es pas d'accord? Pour essayer ça samedi. Ça me fait ça comme feeling, puis même, je te dirais. Là, je me regarde, là, puis je me rends compte que même physiquement, ce que ça me fait vibrer comme pendant qu'on joue ensemble, la band, c'est différent comme musique, puis ça me prend différemment, puis ça une espèce de transe. Qui... Oui, ça se physique autre chose. Hein, il y a quelque chose de bien intérieur, mais qui se projette sur le monde. En tout cas, c'est bien trippant comme expérience. On voyait un extrait du lancement. Il y a des gens qui ont vu ton spectacle à travers le Québec, mais pour ceux de la grande région de Montréal, tu seras à l'affiche au Casino de Montréal dès le 31 octobre prochain. C'est vraiment l'occasion d'aller voir Bruno Pelletier, le gros orchestre. Puis on est un peu partout en province, surtout au Petit Champlain à Québec, le 18-19, au Casino à Montréal, les dates que tu as dit, 31 octobre. Au 18 novembre. Tu grattes la guitare en début de show comme tu le fais au début? Non, je ne sais plus, là, parce que là, on a tellement de chansons avec le gros orchestre que là, ça n'a plus de bon sens. Ça fait des shows de 3 heures. Là, fait que là, maintenant, je me concentre juste sur la portion jazzy du show. Okay. Complètement hors sujet. Je veux juste prendre deux secondes. Julie Lamontagne, Richard Irwin, puis Dave Watts. C'est un band, cette affaire-là. C'est moi qui fais la promo, mais c'est vraiment, ils ont mis une touche, puis une saveur, ils ont mis leur sauce là-dedans, c'est vraiment des musiciens exceptionnels. Voilà. Et la sauce prend. On parlait de retour en début d'entrevue. Je sais que tu es fan d'Elvis Presley. Oui. On a un petit lien à faire ici. Tu sais qu'il y avait un grand retour dimanche. Tu en as entendu parler, celui de Britney Spears. Je ne te demanderai pas de réagir là-dessus, à moins que ça te tente. Ben, je ne sais pas. J'ai juste entendu parler rapidement, mais je n'ai pas vu. C'était son retour après une absence de 3 ans. Tu sais qu'Elvis a fait la même chose. Gros spécial télé en 68, après une absence de 8 ans. Non, je ne penserais pas. Non, là, écoute, sincèrement, c'est une parenthèse. La parenthèse va-t-elle être plus longue que prévu? Ben, elle est déjà plus longue que prévu. Elle est déjà plus longue. Ben, oui. Mais est-ce qu'il y aura un gros orchestre numéro 2, peut-être? Je ne sais pas. Plus tard. Oh, j'ai dit que je voulais revenir à la pop éventuellement, au pop rock. Je vais revenir faire des chansons, entre guillemets... parce que tu es un chanteur à voix. Hein? Quelle voix je vais prendre maintenant? On verra bien. On verra. Merci beaucoup, Bruno Pelletier. Merci beaucoup. Merci, Bruno. On va sortir, je pense, avec la chanson des vieux amants, d'ailleurs. Ah, merci. Si vous le voulez bien, merci. Moi, je sais tout, tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte.
Dracula.